partir de 1h du matin, je me suis réveillé. J'étais en pleine prière. Dans le rêve, Dieu me réveille pour dire qu'il y a une attaque mystique au niveau du centre. Et donc, j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit. J'ai commencé à me reposer à partir de 4h. Et puis, je suis réveillé en sursaut parce que je voyais ce qui se passait au niveau du centre. Tous les esprits, la sorcellerie d'Agban venaient. Toi, tu sais que les gens sont venus hier pour attaquer, ils voulaient rentrer, n'est-ce pas? Non, je te demande. C'est comment j'ai parlé de tonton. Hein? Tu sais que tes éléments, comme depuis, ils t'ont arraché les aveux, des gens sont venus ici. Ils n'ont pas pu rentrer, mais ils ont laissé un petit Jésus. Hein? Viens ici. Venez. C'est la tête d'un chat. C'est ça, non? C'est la tête d'un chat, non? C'est toi, demande, mets-toi devant. C'est la tête d'un chat, c'est ça? Viens ici. Allez. Enlevez l'enfant de sa main. Moi, là, je suis là-bas, mon esprit est ici. Hein. Je scanne le sang. Hein? Sans moi, quand il est venu matin, il est mort. Viens. Viens prendre ça. Oui, je suis ici. Mets ta main là-bas maintenant. Allons. Seigneur Jésus, ma sapo. Non, l'habitude à ça. Pardon. Allez, mets-toi là. Pauvre. Allez, va. Ouvre ça. Non, habitué à ça, c'est vous qui ne savez pas. Les sorciers ne savent pas. Je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit. Le don là, Dieu m'a donné. Je vous ai dit ça hier là, c'est pas de l'amusement. Donc, hier, je l'ai arraché les aveux là. Parce qu'elle provoque des accidents à Bigan. Tu vois? Donc, elle a une confrérie. Elle a une confrérie de grands sorciers. Donc, la nuit, là, la confrérie est venue détruire. Ils voulaient forcément détruire, tuer les gens, ils n'ont pas pu. Mais ils ont gardé un truc comme ça. Quand je rentre, ça puisse m'attaquer de loin. Et ça, je suis habitué à ça. Allez, ça, vite, vite. Je suis habitué à ça. Hey, moi, Dieu m'a appelé là. Vous ne pouvez pas me tuer. Hein? D'ailleurs, je vais descendre dans le village d'Agban. Allez, chape, 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 chape. Je vais te faire manger la tête là, tu chutes. Enlève ça. Hey, monsieur. C'est quoi ça? Prends la tête là. C'est pourquoi tes gens là, ils sont venus là, c'est pourquoi quoi? Les gens quoi? Les gars disent, pourquoi ils sont venus parler? Hein? Bon, comme je parlais là. Ils vont venir me fatiguer. Montre ça bien. Ils vont venir me fatiguer. Il faut tuer pour le prophète Maître. Hé, hé. Faut te dire, les choses sont claires. Faut dire les choses. Moi, je ne vais pas souvent le matin comme ça. Hein. Je suis fatigué. Je viens de l'Europe, je suis fatigué. Toute la nuit, là, le Seigneur dit, ne dors pas. Bon, naturellement, j'ai l'habitude de prier la nuit. Mais cette fois-ci, là, ça m'a secoué. Depuis 1h du matin, je suis en prière. Parce que quelque chose, un événement de terrible va se passer ici. Un homme, quelqu'un allait mourir, quelque chose. Ils n'ont pas pu atteindre ça. Donc, c'est le pouvoir, ils sont venus mettre ça ici. Pour que... Ils ont bien caché. Or, souvent, j'ai l'habitude de mettre devant ici. Souvent, ils ont l'habitude. Hey, souvent, ils ont l'habitude de mettre devant ici, mais ils sont allés cacher. Mais tout le coin ici, c'était tétanisé, hein, c'est-à-dire qu'il y avait pouvoir. Nous qui avons le don, nous savons. Voilà, nous savons. Donc, je ne pouvais pas. Voilà. Tu as vu?
fallait que je maîtrise la situation qui est venue. Comment c'est passé? 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Explique. Tu donnais quoi? Parle bien. Pourquoi me suis déplacé dans mon village? Mets-toi sur ta. Dans mon village pour venir ici. Ouais. Et ils voulaient que je reste dans mon village là-bas. Je suis venu. Comme ça, tu as tué les gens. Je suis venu forcer. Mais pourquoi moi j'ai décidé de venir à l'église ici? Pour l'aide de voiler. Je lui ai dit non, que c'est venu chercher ma dévolence. Je peux ici quitter la dessus de lui. Non, tout à coup, les gars disent non, comme il a dévoilé la cité, ils vont venir en sortir, mais en sortir le coin. Ils vont coucher ça. Ils vont cacher ça derrière là-bas. Et ah, le pasteur qui est ici là. Le prophète, hein? Le prophète. C'est même chose, il y a pasteur, il y a prophète. Pourquoi il voit clair? Pasteur, il se débrouille pour voir clair. C'est pas la même chose. Le prophète, il est dit. Il est fort. Oh. Il est fort. Mm-hmm. Donc, faut le gâter. Non. J'ai accepté ça, quoi, comme le gâte. Montre bien la tête, là. C'est la tête d'un chat, non? Oh, le pouvoir de chat, il est très dangereux. C'est comme le pouvoir de chat, non, le savon, c'est les snipers. Tu reviens, c'est... Dans cette yacoupe. Un tout, tu reviens, ouais. Ah non, ils disent quoi, viens. Ils disent quoi? J'ai posé les grandes questions. Parce que hier, il a commencé, il me suppose, non? Ils disent, mais comment on va faire sortir les grands secrets maintenant? Il faut qu'on me tue. Vous me tuez. Et attends. Toi, tu sais qu'on doit tuer quelqu'un. Tu as bien dû attendre une personne. Tu dois perdre tes parents. Je t'ai trouvé où tout à l'heure? Devant. Mais tu n'as pas dit à tes parents? Hein? J'étais encore là. Attends, vous laissez. Attends. Je vais jouer ma vie. S'il te plaît. Faut pas jouer ma vie, doucement. Parce que c'est ma vie qui est en jeu là. Donc tu veux que je meure? Hein? Tu veux que je meure? Non, papa, je veux que tu me délivres. N'a pas de délivrer. Moi, je vais mourir, n'a pas de délivrer. Oh, tu sais ce qui se passe? Moi, je suis venu vite, je suis venu là. Ceux qui se brossaient là, ils m'ont vu. Je suis allé parler en même temps. Parler, il ne faudrait pas que je sois allé parler au fétiche, boum, parler. C'est le bon géo. Donc quand tu es frétis sous la terre, c'est comme ça. Chaque jour, chaque année, chaque 3 mois, chaque 4 mois, vous venez quelque chose me tuer. C'est ça la légende date, mon nom. Hein, le problème là, il n'y a pas de sorcier, ça va. Quand tu attaques la sorcellerie, il t'attaque chaque jour. Tu attaques tomber 3 bus à Abidjan, c'est ça? Donc toi, ton travail, c'est faire tomber les bûches, manger les gens. Comme toi, tu es la grande sorcière. Tu es venu ici, tu as commencé à parler, ils disent qu'on n'a plus parlé. Tu as, comme je te pose trop de questions, c'est ça? Donc? Il dit non, le royaume, quand tu pries là, c'est quoi t'es l'ennemi? C'est que le royaume là-bas, ça fait dur, c'est faux. Donc, faut pas, ça s'est dérangé. Ça les dérange, c'est pas ici, c'est mais c'est ma délivrance. Ok, je suis allé libérer, je suis allé devoir quand là. Moi, ils sont fâchés là-bas. Mais... Donc, ils ont dit qu'ils vont venir me tuer. Montre bien la tête là. Il a de faire manger la tête là. Ouais. Il y a apparemment ça. Si j'étais mort là. Ah, tu es mort là. Donc, vous essayez là, c'est pour essayer. Le pouvoir de chat, vous connaissez ça ici, tout le monde connaît le pouvoir de chat. Non, on a 5 ça. Tout le monde connaît le pouvoir de chat, il est dangereux. Le chat loue pas. Et donc c'est ça. Vous allez le faire tuer. Vous allez me tuer. Mais tu as dit non, ils sont venus déposer. Faut dire la vérité claire. Là, il sait ce qui se passe. Je suis pas en train de m'amuser. Il sait ce qui se passe. Je suis fatigué, tant de temps. Je vais commencer à pleurer toute la nuit. Après ça, aujourd'hui, je ne mettais pas les pieds, c'est à cause de la retraite de demain. J'ai une retraite de meubles, j'ai dit, je ne mettais pas mes pieds pour préparer la retraite. Et comme ça, toi, tu es venu détruire le centre. C'est ça? Hein? Tu es venu nous détruire, cadeau. Allons dans la cour là-bas. Non.
Ne mangez pas sur. Il y a Cori même au milieu, en bas là même. Tout ça y va. Il y a le Cori là-bas. Oui. Allez. Hein? Elle va s'asseoir même jusqu'à ce qu'il y arrive. Laisse ça là. Et tourne là. Qu'est-ce que t'as fait sur ton papa? Ton papa la main, t'as fait quoi sur lui? À côté. Eh, faut parler. À côté. Hein. Matin là, faut parler. Faut parler, matin là. Hein. T'as fait quoi sur ton papa? Maladie. Hein? Maladie. Quelle maladie? Hein? Tu parles pour moi, tu parles pas. Malarie. Non, t'as pas, t'as de la main. Non, vous êtes la sauce. On va te manger tout de suite. Tu vas la taper. Tu es guide. Vas-y, te manger sauce claire. Là, c'est pas grave, c'est clair. Là, c'est rapide. Eddie, tu as fait quoi ton père? Vous avez les mains, le pied? C'est le pied. C'est bon ça? Ok mon prophète, ça fait presque 8 mois, je n'arrive même pas à marcher. 8 mois, vous n'arrivez pas à marcher. Depuis que je l'ai paralysé. Le premier jour, j'ai fait quoi ici. C'est fini. C'est fini. Oui, ça commence à aller. Ça peut, comment ça fait? Eh bien, explique. Hein? Hey, parle bien, on va te délivrer. Vous avez coupé son pied pour manger. Vous avez coupé le pied, vous avez suspendu sur une corde là-bas. Et pourquoi? Il a pris des otages. Hein? Des otages. Qui ne doit pas inviter avec qui? Mon frère, ça fait un sens. Tu sais, on s'est appelé des otages. Ok. Donc, on veut qu'on continue. Vous avez un problème d'héritage? Oui. Hein? Comment ça se passe? Notre père a laissé une poule. Hein. Mm-hmm. Donc, nos soeurs veulent vraiment au-dessus de nous qui sommes les garçons. Mm-hmm. Alors moi, le problème d'argent, moi je l'ai dit, ça ne m'intéresse même pas, mais je ne sais pas comment. Elle avait mal livré à ma soeur, et le pied a commencé à me faire mal. Ou rien comme ça. Je souffre nuit et jour. Mais le vendredi, je suis arrivé ici, le prophète ne sait pas que je mens. J'ai commencé à sentir même, comment on appelle ça, la guérison, voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Ça a mené une acclamation au Seigneur. Je ne voulais pas venir, c'est celle-là qui a insisté, viens. J'ai dit, mais, donc allons, c'est une question de confiance. Je m'en vais. D'ailleurs, garde mon nom cadeau. Comme ça. Alors, tout ce qui est mystique, là, je suis avec ça. On dit, va voir un spécialiste. Les blancs, quand tu es malade, on dit, va voir un spécialiste. Nous, on est spécialisés dedans. Hein. Les gens, ils sont à Abidjan, ils sont dans les capitales, nous, on a Divo. Toute la ici, région, arrive, c'est des grands sorciers. Ils m'ont essayé ici à Iré. Ils m'ont essayé ici à Divo, eux-mêmes. Ils sont venus de Iti. Ils m'ont essayé. Ils sont venus de Lakota, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Donc toi, tu es venu quoi? Tu as mis les pratiques mystiques pour nous détruire, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Alors, tu ne voulais pas faire délivrance? Non, mais ça ne voulait pas. Que... Je ne savais pas qu'ils étaient ici. Donc, mon frère avait demandé les nattes là. Mmh. Il a dit non, ah, mon camion fait venir. Mmh. Donc, ils venaient même, ils ont même empêché de venir. Donc, ils t'ont suivi, c'est ça? Ils sont venus en force, mais. Ils sont venus en force, et mon oncle là. Oui, oui, non. Il est reçu à l'école, c'est vous qui nous a salué le dimanche là. Même ma camarade dit qu'elle n'a pas encore fini de ce qu'on dit en français même. Il dédie tout ce qu'il faut. Ah mais est-ce qu'on a dit elle a fini? Ah, toi même là, est-ce que toi on t'a dit hier elle a fini? Ah. Mais toi est-ce qu'on t'a dit là, ça, elle, c'est fini? C'est pas fini. C'est pas ça qu'on appelle aveu. Est-ce qu'elle a dit le nom? Est-ce qu'elle a fini? Elle a dit juste un peu. C'est parce qu'elle devait dire tout. C'est le pouvoir mystique, la sorcellerie, le temps là. Vite maintenant m'attaquer. Vous êtes dangereux, hein, c'est ça? Hein? Je suis ici là, mon esprit, Dieu m'envoie voir des choses ici. Hein. Tu fais ta tête comme ça. Hein?
Tu as parlé de la fête de Jésus, hein? Sinon, tu allais manger ça le matin. Ah, tu allais manger ça le matin. Tu m'as loupé, non, tu ne loupes pas, hein? C'est parce que c'est l'amour de Christ. Hein? C'est ma vie, c'est ma vie, vous voulez jouer. Je vous dérange, c'est ça. Je te dérange pas comment? Je te dérange pas comment? Je te dérange pas comment? Eh, d'abord, tu voulais être béni. On t'a dit, on t'a forcé de venir. Mais c'est sans lui forcer, là. Si tu savais, tu allais faire tomber les cas. Comme la vieille gourou, elle a fait tomber Massa. Elle trimballe le monsieur, elle trimballe la vieille gourou, là, ici, pour dire, mais viens te délivrer chez le prophète. Massa est tombée dans la bouche. Lui qui envoie la sorcière, elle est malade, elle est blessée. La sorcière, là, elle est sortie. Sans. Yeah, vous avez fini le trafic, hein? Merci, là, c'est vrai, merci. J'étais même annoncé flèche contre moi. Qui... Non, ici, il n'y a plus flèche. Quand tu veux flèche, ça ressort. Ici, là, c'est consacré. On a consacré le sang. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu. Si on le fétiche, c'est dans la cour, ça l'est. Donc, tu allais me tuer, tu allais me tuer matin. Stop. Sorcier à sentiment. Sorcier à sentiment. Hein? Sorcier à sentiment. Hein? Tu as fait quoi dans ta sorcellerie? Tu viens d'où? Quel Agban? Vous avez combien? Vous avez, vos groupes là, c'est combien de personnes? C'est là que tu vas pas vous la dire. Dans la sorcellerie là-bas là. Vous êtes combien dans vos sorcelleries? Hmm? Ça veut dire? Oui, ça veut dire le nombre c'est combien? Vous savez? Toi dans ta sorcellerie là, vous êtes 16 personnes, toi dans ta sorcellerie, vous êtes 16. Toi ta sorcellerie dans laquelle vous êtes, c'est 16. Faut laisser ces histoires de calculs bizarres que tu fais là. C'est 16 personnes, c'est faux ou pas? Hein? Hein? Ça vient faire tomber 3 bus à Bidjan, c'est ça? Hein? Tu prends le sperme des gens, tu gâtes leur vie, tu les tues, c'est ça? Tu as déjà tué 53 personnes, c'est ça? Hein? Il y a 5 personnes. Je me donne le nom là tout à l'heure. On est d'accord, ça? Les sorciers, le nom des gens là, ils vont lutter, toi. Parce que dans la confrérie, quand t'attrapes, tu ne dois pas dire le nom de quelqu'un. C'est toi qu'on a attrapé, c'est pour toi que tu dois dire. Malheur pour toi si tu dis mon nom. Vous êtes fâché parce que je t'ai attrapé. Qui tue les gens là-bas dans les 16 là? Hein? Non, c'est elle qui envoie, c'est toi qui exécute. C'est toi qui exécute. Donc tu as un élément très important qui est au centre ici. Tu as un élément important pour le centre. C'est pas toi qui parle. Tu joues quand. Vous avez su qu'elle était sortie, ça fait combien de temps? 3 mois. 3 mois. Elle a fait des aveux. Vous dites qu'elle a tué sa maman? Elle a tué sa maman, elle a dit que c'est avec la tristesse dont il était. J'étais avec elle dans le salon, ouais. Ça fait 47 ans ensemble, elle était dans le salon. Elle m'a dit qu'elle va uriner. Ouais. Et puis c'est fini. Elle dit qu'elle va uriner, elle est rentrée, j'étais devant la porte, ma fille m'appelle, la grande là. Papa, papa, viens, je vais, ma femme est décédée de ma mère. Et on lui demande, sa soeur est tombée en transe. Léonie, c'était quelque part. Léonie. Et elle a dit la vérité que c'était avec la corde de la série et tout de ça. J'ai 14 enfants, il y a 3 qui sont décédés. Et c'est puis, la sorcière même, je ne sais pas. Non. Dieu merci. Et vous ne voulez pas qu'on combat les sorciers. Et les crimes que les sorciers causent dans les familles, et les gens ne veulent pas qu'on les combatte. Quand tu les combats, le prophète Crasso me combat. Comment on peut combattre un homme qui délivre les gens de la sorcellerie? Comment on peut me combattre? Tu as tué ta maman? Oui, Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes effectivement à cette date aujourd'hui du mercredi 7 septembre 2016.
nous apprêtons, n'est-ce pas, pour commencer une retraite spirituelle à partir de demain, 8. Demain, jeudi 8, jusqu'au dimanche 11. Dimanche 11 septembre. Voilà, donc cette fille, comment t'appelles? Hein? Voilà, cette fille, elle a fait des aveux hier. Elle est venue d'où là? Agba Village. Donc on l'a envoyé comme d'habitude. Les gens envoient des sorciers pour se faire délivrer. C'est la brigade anti-sorciers. Nous prenons le soin de faire passer les sorciers aux aveux et à mettre nous les délivrons. Mais nous savons aussi qu'en délivrant un sorcier, il fait partie d'une confrérie. Donc, quand un élément épinglé de la sorcellerie épinglé, vous savez, en même temps, nous sommes même menacés, mais comme nous avons Jésus-Christ, selon la Bible nous dit dans Luc 10, verset 19, et nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Et c'est si cette parole que nous accrochons et que nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Voilà, nous, notre ministère consiste au dévalement et la destruction des œufs de la sorcellerie. Pour nous, ce n'est pas de la plus près. Il faut faire reculer le royaume des ténèbres et imposer la Seigneurie de Jésus-Christ dans les vies et dans les familles. Parce qu'aujourd'hui, le mal cruel, comme j'ai l'habitude de dire, l'Afrique, c'est la sorcellerie. Donc elle a fait des aveux hier, et là je n'étais pas en plein boulot, je commençais déjà le travail. Et ses petits aveux, en fait, elle a commencé, c'est pas des petits aveux, excusez-moi, elle a commencé ses aveux, bon, on n'avait pas fini ses aveux. Donc, comme un élément très important de la confrérie, il fallait vraiment éliminer le prophète. Donc il y a eu des pratiques qui sont passées cette nuit-là. Et depuis ma maison, déjà vers 1h du matin, je suis déjà debout pour la prière. Donc j'avais déjà scanné, parce que c'est le don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il fallait venir, n'est-ce pas, démasquer la chose, parce que ça devait d'abord, ils avaient programmé détruire des éléments de notre ministère, et après ça, attaquer le prophète que je suis. Et par la grâce de Dieu, ça a été, tout a été démasqué, dévoilé, détruit par la grâce de Dieu. Donc nous allons brûler leur pouvoir satanique et démoniaque, afin que la gloire revienne au Seigneur. Donc vous avez toute une confrérie là-bas, c'est ça? Tu as tout un groupe là-bas. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que tu sois ici, c'est ça? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comment vous allez? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont attaché la tête de chat pour venir déposer. Et pourquoi? Parce que tu es là pour délever les sorciers seulement. Donc tu déranges les royaux là. Donc ça ne les prend pas. Monsieur, tu fais quoi? Toi, tu es là pour déranger les sorciers seulement. Ou les déjà parlé, donc ça ne les plaît pas. Donc c'est comme ça, les royaumes se gâtent. Ils n'ont plus le pouvoir de faire ce qu'ils peuvent faire. Donc ils ne sont pas d'accord mon travail. Donc toi, partout où ils passent sur les pasteurs, les autres pasteurs, là, toi, prophète, c'est pas la même chose. Donc c'est si toi, ils ont les vieux, beaucoup par rapport aux autres pasteurs, tout sont la prière. Donc toi, tu es venu ici, toi, tu étais là-bas, et puis ton frère est venu ici. C'est ce que je suis en train de dire. Comme tu as commencé à parler, oui. Tu as tué beaucoup de gens, c'est ça? Quand j'ai commencé à parler là, je ne connaissais pas tout d'abord. Voilà, c'est ça? Donc, ça, je me forçais à parler. Les gars ne voulaient pas que je parle. Mais l'enfant qui est venu ici même, les gars ne voulaient pas que je parle. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à dévoiler les plans. Là-bas, il y avait le feu là-bas, mais tu les dérangeais. Donc, ça, ils sont venus hier nuit pour déposer ça là. Avec ton accord. Et tu t'es d'accord avec ça? Papa, tu es d'accord? Tu penses à l'air que le prophète allait mourir, c'est ça? Pourquoi pardon? Pourquoi? Comment vous l'avez ramené ici, la fille? C'est important de répondre l'histoire et tout ça. Oui, bon, comme je suis l'employé de frère. Tonton était malade, c'est comme ça que je l'appelle en fait. Mon tonton était malade, j'ai vu que vraiment sa maladie n'était pas une maladie d'hôpital. Et comme ça, j'ai dit, bon, je vais l'emmener ici. Comme je suis déjà venue ici, j'ai vu votre œuvre sur les gens, j'ai dit, bon, je vais l'emmener ici, comme ça, il sera découvert. Et par la suite, l'emmener sans qu'elle ne sache. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Mais elle avait déjà fait des aveux. Oui. T'es déjà reconnu comme sorcier. Oui. Voilà. Donc on va détruire ça parce que nous. C'est pour ça que je n'ai pas fait rentrer dans la cour. On va détruire. C'était pour nous éliminer, c'est ça? Pour gâter le centre. Je les gêne. Pourquoi? Je les gêne tous les sorciers. Donc ils vont éliminer le centre. Tu rentres dans les villages. Ça ne les plaît pas.
Elle a donné sorcier à sa fille. Mais sorcier, tu bois si saint des sorciers. Tu as des sorciers. Nous allons prier tous les pasteurs. Nous allons prier. Et nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Notre ministère consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous ne jouons pas le pétichisme. Nous ne jouons pas avec tout ce qui est maraboutage. Nous ne jouons pas avec tout ce qui est sorcellerie. C'est pour ça que nous allons détruire ça par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Nous prions et nous invoquons la puissance de ton esprit. Nous prions pour que le pouvoir et la puissance de ton esprit consument cette œuvre satanique et démoniaque au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous détruisons par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Mettons genoux à l'église. De la sorcellerie. Vous parlez aux fétiches, vous dites c'est fini leur pouvoir, tu te sépares. Papa, dis-le aujourd'hui, je déclare, mon pouvoir est terminé au nom de Jésus. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Vous n'avez plus le pouvoir sur moi. J'ai quitté, vous n'avez plus le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir sur vous, ils ont le pouvoir sur toi. Je quitte à partir d'aujourd'hui dans mon royaume au nom de Jésus. Je vous appartiens plus, mon pouvoir appartient à Dieu. Au nom de Jésus, que ce soit brisé de nous. Si cette déclaration, nous proclamons vaincu le royaume des ténèbres. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Mettez les feux, on va brûler. Nous voulons consumer les œuvres du diable. On commence à brûler. Voilà. Nous consumons les œuvres du diable. Lève-toi, allez. Le royaume de la lumière de Jésus-Christ, c'est le royaume de la lumière et le royaume du diable, c'est le royaume des ténèbres, ne composent pas ensemble. Christ nous a créés, fabriqués, fait en tant que croyants, en tant que fils du royaume, pour nuit. 1 Jean 3, le verset 8. C'est pour ça que nous dévoilons et nous détruisons les œuvres des ténèbres. Voilà, nous en avons détruit ce pouvoir satanique et démoniaque. Voilà. Mettez sur le plastique là. Mettez le plastique bleu là. Plastique bleu. Voilà. On va le voir, on va le voir. Voilà, nous proclamons la puissance. Nous proclamons et en même temps, nous mettons le feu dans le camp de la confrérie. Nous détruisons le pouvoir de la confrérie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, que leur pouvoir soit neutralisé, qu'ils soient jamais vaincus dans le nom de Jésus. Shalom.